défenses territoriales, telles qu'on les connaît aujourd'hui, nous ont amenés à revoir, redéfinir, changer des méthodes qui préexistaient. Et on a compris qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus continuer à produire de la même façon. Produire des idées, produire de l'action. Je trouvais intéressant qu'on puisse sortir de ce débat très instrumental centré sur les structures, un débat qui porte plutôt les politiques publiques, les territoires, les services, et sur lesquels finalement les institutions vont se mettre à disposition, quitte à ce qu'elles soient plusieurs d'ailleurs, à se mettre à disposition du territoire pour servir le service public. Les alliances territoriales ne sont réussies que si elles sont choisies. Et Gérard Trémège l'a dit, il faut d'abord qu'il y ait une volonté de personnes, d'acteurs, d'organisations, de contribuer au bien commun en agissant ensemble, chacun à sa juste place. Et c'est ce que nous ont montré les exemples qu'ils ont été cités ici. Ça fait partie de l'alliance territoriale, la stratégie un peu avec les territoires voisins, la coopération avec les territoires voisins. Mot de projet de territoire dont on n'arrête pas de parler depuis hier, hein, chaque intervenant. En fait, cette construction d'une vision commune, c'est ce qui semble être le challenge de nos alliances, quelles qu'elles soient, à l'échelle d'un territoire politique ou d'un territoire écosystémique plus large. Et ça me renvoie vraiment à l'hypothèse de l'importance de construire les proximités en dynamique, et notamment la proximité dite institutionnelle qui va institutionnaliser le territoire dans un projet. Il faut des systèmes d'information, il faut une performance organisationnelle, et notre objectif, c'est de comprendre comment les acteurs locaux peuvent favoriser la création de valeurs publiques autour du numérique dans les territoires. Notre communauté est en effet la plus belle des alliances territoriales, celle des communes désireuses d'œuvrer pour offrir des services publics de qualité et de proximité. Si cette alliance territoriale fut imposée au départ, vous l'avez dit, elle incarne aujourd'hui une alliance territoriale appréciée, impulsée par votre rôle fédérateur. Des liens de respect et de complicité se sont noués entre les élus, et notre alliance territoriale est à présent désirée et estimée. Cette question du vouloir faire ensemble de la part des élus s'avère fondamentale. Elle servira d'ailleurs de fil conducteur durant notre colloque pour définir les alliances territoriales dont le statut et les missions s'avèrent protéiformes et diversifiées.